Bonjour, j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un fruit très exotique. Il s'agit du Limonia acidissima ou encore Wood Apple, la pomme en bois, ou la pomme de l'éléphant parce que c'est le fruit favori des éléphants, la pomme en bois parce que l'écorce est très dure comme le bois, et aussi le fruit des singes. Consiste en une écorce très difficile à ouvrir, mais bon, un marteau suffit, et une pulpe brune avec des petites graines blanches à l'intérieur. Le goût est délicieux, légèrement doux-amer, mais définitivement exotique. Il peut être mangé cru, comme c'est le cas ici, ou glacé, si vous le mettez au congélateur, ou mélangé avec du lait de coco, pour faire une délicieuse boisson qui peut à son tour être congelée pour faire des glaces. Ce fruit présente des qualités nutritionnelles. Il contient du phosphore, du calcium, de la vitamine C, mais aussi du fer, des fibres et des protéines. De 5 à 10 cm de diamètre, il est originaire de l'Inde, mais on en trouve aussi au Sri Lanka et en Asie du Sud-Est. Nous sommes ici au Cambodge, où ce fruit est appelé Kwet. Il s'agit d'un fruit sacré pour les hindous, pour la religion hindouiste. Santé, ce fruit est très bon pour la digestion, mais aussi la constipation, la diarrhée, les problèmes de diabète. Il booste l'énergie, mais aussi aide à prévenir les dysfonctions sexuelles. Il est aussi réputé être une bonne protection contre la malaria, la fièvre jaune, ainsi que la fièvre dengue. Pour résumer, définitivement bon, au goût très exotique, le fruit présente des qualités nutritionnelles, mais aussi indéniables en termes de santé. Définitivement, vous devez l'essayer. La pomme de bois, la pomme de l'éléphant ou le fruit du singe. Bon appétit.